On en vient aux dernières nouvelles du front. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2023, les forces armées nationales du Burkina ont mené des opérations de lutte contre le terrorisme sur tout le territoire. Dans le Sahel, elles ont réussi à détecter un regroupement terroriste à Touka. Les terroristes ont été verrouillés et frappés efficacement et leur logistique a été détruite. Les dernières nouvelles du front, avec Bienvenue Tansa. Les opérations ont eu lieu sur tout le territoire au cours de ces dernières heures. Particulièrement au Sahel, au centre nord, puis au centre est, elles ont été intenses. Hier nuit, sur la base de renseignements, les recherches ont permis de détecter un regroupement terroriste à Touka. Venus par binôme, ils se sont retrouvés à plusieurs pour éventuellement planifier une attaque. Ils sont verrouillés, frappés efficacement. Ils consument dans les flammes avec leur logistique. Ce matin du 14 novembre, les recherches ont permis de découvrir un poste d'un groupe de guettons terroristes sur les grandes collines de Rolo. On peut observer plusieurs guetteurs converger vers le chef pour éventuellement les consignes de la journée. Pour ces guetteurs, ce seront les dernières consignes. Leur ultime tour de garde va définitivement finir par une frappe de précision. Le sommet de la montagne va s'embraser sur logistique et cadavres. Toujours ce matin au centre-est, une colonne de plus de 300 motos et véhicules est repérée en train de s'approcher dangereusement de la position de nos vaillants combattants de Yurga. Provenance de l'est de Yurga, ils serpentent les pistes à toute allure vers nos positions sur plusieurs kilomètres. À l'approche, au moins une trentaine de motos, probablement les chefs d'éléments se retrouvent sous un arbre, certainement pour les derniers réglages avant leur crime. Et
ils seront verrouillés, frappés avec une violence particulière. Une frappe magistrale qui ne laisse aucun survivant s'abat sur cette position. Les blessés finissent par succomber. La logistique va prendre feu et les brûler sous leur arbre. Ceux qui vont échapper aux frappes vont commencer un rallye retour, mais jusqu'où? Les opérations se poursuivent dans la zone.